Y'a Playpod, vous allez bien ou quoi? Oui, je sais, en ce moment il fait beau. Je vous en avais parlé rien que dans ma dernière vidéo. Mais si je vous parle du temps tout de suite, c'est que je veux prendre 30 secondes, on va dire 30-40 secondes au début de cette vidéo, pour vous dire, les gars, respectez les consignes qu'il y a en ce moment. Je sais, c'est pas dans une de mes vidéos que je vais parler plus de coronavirus, mais évitez de sortir pour aller boire des verres en terrasse ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont nécessaires, que vous pouvez que difficilement délayer. Mais par exemple, il y a beaucoup de personnes qui craignent un petit peu cette période et il y a des personnes qui sont à risque. Je prends mon exemple. Moi, ça va, hein, même si je suis un peu asthmatique, je pense pas être dans la tranche des gens les plus risqués. Par contre, j'ai ma mère qui a une maladie qui nécessite un traitement qui baisse ses défenses immunitaires. Donc de moi-même, j'ai limité mes déplacements pour éviter, tu vois, que je rentre et qu'elle la chope. Le problème, c'est que si les gens continuent à se comporter comme ça, à sortir de partout, en terrasse, à faire des manifestations, ou à faire comme si en fait le problème n'existait pas, bah le souci, c'est que le virus va se propager, qu'il y aura de plus en plus de monde qui auront besoin d'aller à l'hôpital, parce que 80% des gens, c'est bénin, mais il y en a 15% qui nécessitent une hospitalisation et 5% où c'est grave. Et par exemple, dans mon cas, pour ma mère, tu vois, j'ai pas envie qu'à un moment elle l'attrape pour X ou Y raison, que ce soit grave vu qu'elle a plus de défense immunitaire et qu'à un moment on en vienne, comme en Italie, à devoir choisir entre des personnes âgées et des personnes un peu plus jeunes à tuber parce que il n'y a pas assez de machines et pas assez de monde pour s'occuper de tout. Donc voilà, c'était un petit message de prévention. Faites attention à vous, écoutez les consignes. De toute manière, je pense qu'on va être bientôt confiné un peu comme l'Espagne et l'Italie. Enfin, je dis l'Espagne parce qu'ils viennent prendre des mesures. Bref, le but la vidéo, c'est pas ça, c'est du Warzone. On va partir tout de suite. Je sais qu'on en entend parler de partout, mais je voulais faire mon petit message qui a dépassé un peu 40 secondes, mais vous m'excuserez. Bon, vous allez bien ou quoi? Bon, nous voici sur Warzone. Wouhou! Oui, aujourd'hui, ça y est, je vais vous montrer un petit peu, après plusieurs jours de jeu, la chose, les plusieurs jours d'un jeu d'ailleurs, où ça a été un peu dur. J'avoue que j'ai pas mal stream dessus, enfin pas mal, j'ai fait plusieurs streams dessus, tu vois, en plus la période est plutôt pas mal pour nous les streamers, il y a beaucoup de monde chez eux avec toutes ces histoires de confinement, etc. Mais là où je vais en parler, c'est qu'après ces plusieurs heures, j'ai pu en retirer une leçon. Et voici une méta, la méta, c'est la façon de jouer qui est dominante ici. Et donc je vais vous montrer la classe que je préfère pour Warzone. Alors, c'est ça qui vont me dire, ouais, c'est quoi la classe, il n'y a pas de classe, c'est un BR. Alors, figurez-vous que si, dans le sens où il y a des largages tactiques. D'ailleurs, il y en a un peu trop, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais dans ces largages tactiques, tu peux récupérer une classe que tu as fait en multi. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'aime bien. Les kills que tu fais en Warzone comptent pour le battle pass du multi ainsi que pour la progression des armes. Et donc, voici ma classe quand je chope un petit largage tactique. Vous pouvez prendre la Kilo, vous pouvez remplacer par la M4 ou la Gros qui sont aussi de très 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 bonnes armes, très efficaces. Donc, en gros, ça plus sur armement sniper. Je prends un cocktail Molotov, un petit capteur cardiaque histoire de pas être trop trop dérangé. Oui, je sais, c'est bon. Il y en a qui n'assument pas, qui disent c'est un truc de bâtard. Moi, j'assume, je te dis que ça, je trouve c'est bien, tu vois. Et voici un petit peu la façon de faire beaucoup de kills. Après, là, devant vous, vous avez un mec qui n'a pas fait la masse de top 1. Hein. J'ai fait un top 1 en solo avec 5 kills. J'ai fait le top 2 que vous avez vu en vidéo lors de ma dernière vidéo. J'ai fait quelques top 3-4, mais j'avoue qu'en équipe, j'ai pas encore réussi à faire de top 1 avec plein de gars. Et c'est là où je me dis putain, un petit peu compliqué. Donc, bon, en plus, même pour tourner une vidéo, je pense qu'il va falloir que je trouve des gens pour jouer parce que gros, faire du solo à chaque fois, c'est pas idéal. Bref, la classe est faite. Maintenant, on va y aller. On espère tomber avec des gens pas trop trop nazes, qu'on pourra un petit peu s'entendre et pourquoi pas aller jusqu'au bout. C'est parti. Bon, let's go les gars. Bon, va falloir que je trouve des gens avec qui faire des vidéos parce que bon, à chaque fois je joue tout seul, gros, et les gens c'est des égoïstes, mon frère. Ça m'échève des squads. Et si tu veux t'en sortir, regarde, ils s'amusent à pique partout, frère. Allez, on va aller là. Les gens, en gros, ils s'amusent et ils font n'importe quoi. Et donc du coup, après, on finit tous aux quatre coins de la map. Comme par exemple, je suis le seul à avoir sauté. Voilà, bravo. Et regarde, regarde. Le bleu, il va à gauche. Le vert, il va à gauche. Attends, mais bon, comment essayer d'aller où? Ça, je vous le dis, moi je veux bien ne pas faire l'égoïste, tu vois. C'est important de pas être un égoïste et d'être dans une notion de partage, tu vois. En mode, oui, des bonnes valeurs, tout ça. Ah non, non, c'est très très important, mais gros, là, les gens ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible, gros. Vraiment, j'ai rarement vu aussi peu de teamwork, tu vois, que dans ce jeu pour l'instant. T'as beau ping des trucs, les gens s'en battent les couilles, gros, ils vont aller pas là où c'est le mieux, ils vont aller là où ils veulent, tu vois. Même si au bout d'un moment ça les fait un V3 ou des trucs comme ça. Bon, après, bon, vous avez bien vu, moi j'ai pas peur de un V3, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je galère. Tu sais que c'est dur à faire des top 1, frère. Moi j'en ai fait un pour l'instant en solo. J'ai fait le top 2 que vous avez vu en vidéo. Comme ma dernière vidéo d'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu, c'était vraiment une sale sale game. Donc et ensuite bah voilà, c'est à peu près tout. J'ai fait des top 3-4 mais pas de top 1. Regardez, en plus il y a pas grand monde là sur le spot où je suis tombé. Mais bon, bravo à vous, vous êtes au milieu de la map, GG. Bon, c'est bien. Mais ça a peut-être à voir au fait que ça y est, Blackout est un succès, hein. On peut le dire, je pense. Attends, limite, ça pourrait nous faire croire que Call of Duty n'est pas mort, tu sais. C'est comme si tu rencontrais ton grand-père au club de striptease, tu dis, oh là, il y a une deuxième vie ou quoi? 6 millions de téléchargements en quelques jours, c'est quand même quelque chose de fort. Et encore, j'ai entendu ce chiffre hier, ça a dû augmenter depuis. Et franchement, bravo. Moi, je le dis et je le répète, je l'ai dit dans la dernière vidéo, je le pense sincèrement en plus, pour le coup. Je pense pas qu'on puisse dire objectivement, même s'il a des défauts, tu vois, que Warzone soit un...
Putain! Et voilà, pas de chance, je parle, et je suce Warzone et je meurs, regarde, c'est pas juste! Bah oui, on va cliquer pour abandonner, j'ai abandonné, de toute façon, y'a pas. Ils sont à l'autre bout de la map, frère, c'est bon, gros! C'est pas le coureur là qui tord. Y'en a une Diniz, j'allais dire qui tord du cul, c'est pas bien. Pas le coureur qui est là et qui va venir m'aider, gros, ils sont à l'autre bout. Bon, juste avant de vouloir parler de Warzone, n'oubliez pas qu'il y a une règle qui est immuable. Tu perds ton goulag, t'es une salope. Voilà, point. Celui qui ne gagne pas son goulag est une salope. C'est tout, c'est les règles, c'est pas moi qui le dis, gros. Pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. J'ai jamais réussi à toucher une pierre encore. Oh, il est là. À mon tour. Oubliez pas ce que. Non, je déteste quand c'est le pont. Quand c'est le pont, j'ai toujours. J'ai une chance sur deux de perdre, c'est horrible. Oh, c'est le tir des pierres. Non. Tu perds ton goulag, t'es une salope. Celui qui ne gagne pas son goulag est une salope. Bon, d'après les règles de la Convention internationale du goulag, je suis une salope. Je suis une salope, c'est bon, c'est dit. Allez, on saute. Merde, il y en a deux, il y en a un qui a suivi. Yes, allez, le verre, casse-toi dans ton coin. Non, tu reviens, c'est bien. Et oui, tu vas aller ailleurs, tu ping. C'est comme ça que ça se passe, cousin. Et n'hésitez pas, déployer le parachute, et tu le lâches. Et là, ouh, 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 ouh. Et là, tu le redéploies, et là... Tu finis sur le toit. Mais bon, voilà. En gros, en général, quand tu lâches le parachute et que t'es avec ton arme, tu vas plus vite. C'est une petite astuce que je vous donne, hashtag intelligence. Même si, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait de top 1. Donc, on va repartir sur du pipage. Hein. Donc, bravo. Warzone est une réussite. En même temps, c'est gratuit. Mais on vous connaît. On connaît votre amour de la gratuité. Mais c'est normal, gros. C'est bien quand c'est gratuit. Parce que c'est-à-dire que tu prends pas de risque. C'est-à-dire que même si c'est de la merde, bah t'as pas pris de risque, tu vois. Ça t'a pas coûté de l'argent. À l'époque, quand les types ils achetaient des jeux à Micromania, que c'était de la merde et qu'ils avaient mis, je sais pas, qu'ils avaient mis de l'argent pour ça, ils avaient des raisons d'être dégoûtés. Ils avaient des raisons parce qu'ils avaient mis des sous. Après, derrière, ils allaient sur jeuxvideo.com et ils mettaient leur petit commentaire de radio. Ouais, moi, vraiment, j'ai trouvé que Skyrim, t'es nul. L'immersion, c'était pas top. Voilà, bref. Alors que maintenant, on a beaucoup de jeux gratuits. Hop, merde, putain. Et voilà, je suis dans les merdes. En fait, il y a quelqu'un ici, mon gars. Il y a quelqu'un. C'est bien de me montrer hein, une scar. Hein. Ouais. Merci. Petite scar, let's go. Ça fait du bien, attends, on va essayer de se fighter. Ils sont où? Il est où le... Ok, lourd. Bien joué. Je need, il va me falloir un truc. En fait, c'est bien le drop aéroport, parce qu'en général, il n'y a personne. Alors, pas comme dans les aéroports à l'heure actuelle. Hein. Mais là, il n'y a personne, c'est cool. Putain, non. Oh, je suis traqué. Mais ça, c'est un des trucs cool qu'ils ont mis, c'est les contrats. Ça te donne des petites choses à faire tout le long de ta game, etc. Pour gagner de l'argent et derrière pouvoir te mettre des drones ou des plaques ou des trucs comme ça, c'est assez marrant. Après, gros, l'autre jour, j'ai joué une game en stream avec des bonhommes. Les types, c'est pas possible. Les types, c'était pas des joueurs Warzone, c'était des intérimaires. Les gars, ils s'en battaient les couilles, ils voulaient jamais fight, ils voulaient que faire des contrats. Que faire des contrats pour gagner de l'argent. Les trucs, on était pas sur Call of Duty Warzone, on était sur Indeed, gros. J'étais là, mais c'est quoi ce délire? Mais voilà, là, mon but, de toute façon, dans cette vidéo, ça va être de trouver un largage tactique. Donc de s'envoyer un petit largage tactique. Quand je me serai envoyé le largage tactique, je vais pouvoir prendre la classe que j'ai fait au préalable et vous montrer pourquoi, quand tu la prends en général, t'es dolce. Oula! Traqué en rouge, c'est-à-dire qu'ils sont pas loin là. Quand ça passe en rouge, ça veut sûrement dire qu'ils sont dans le coin. On augmente le son du jeu. Donc ouais, non, 6 millions de téléchargements, c'est cool, je vous disais. Je pense que c'est un BR plutôt réussi. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Je pense notamment au largage tactique. Le largage tactique, je trouve que c'est quelque chose de pas mal, mais c'est quelque chose de très cheaté. Je trouve qu'ils devraient trouver un moyen pour les nerfs parce que ça enlève un peu le côté charme du BR, de loot, etc. Si au bout d'un moment, tout le monde a une classe qu'il a prédéfinie et surtout si tout le monde a les mêmes en fait. C'est pas super sexy quoi. Oh, une petite protection. Oh, merci. Désolé, je n'avais pas vu. Je suis un con. Il essayait de me la donner depuis tout à l'heure, c'est. Oula, par contre, ça me fait ajouter un truc, là. Oula, je me suis pris mon propre feu. Alors là, je campe pas, je me défends, c'est pas pareil. Dans une minute, oula, dans une minute, ils auront plus de raison d'essayer de venir. Jeter la fumée, comme ça, ils en sortent pas. Oula. Oh merde! Je suis un connard, je suis tombé. Ça va venir. Mes deux coéquipiers sont morts, mais ils me cherchent encore. Votre coéquipier a été envoyé au goulag. Il va se battre pour sa liberté. Ils vont comprendre que je suis là. Ah.
Je me cache 3 secondes. 2, 1. C'est bon. C'est bon. Maintenant, je peux mourir tranquille et sans regret. Je les entends partout, c'est horrible, les gars. Allez, à terre. Allez, t'es mort, dégage. Ça a un peu lagué, je vous cache pas. Je le sais que je... Allez, non, oui, je l'ai tué et je suis encore en vie. Let's go. Non, venez m'aider. Non, par contre, non, s'il vous plaît. Oh, le vert, là, le gars en vert, là, t'es obligé de venir m'aider. Sois pas un fils de pute, viens. Regarde, y'a des plaques et tout, y a des plaques. T'es obligé de venir. Viens, Mikulas Vegas, te plaît, frérot, viens. Il arrive. Il est là. Oh, yes. Tu me sauves. Oui. J'ai tué toute la team en campant. Certes, faut pas le dire. Bon, ça va, on a bien rigolé. Hop. Très bien. Ils avaient déjà des belles armes, hein, mine de rien. On se met des petits trucs, on va essayer de trouver un largage, du coup, maintenant. Et donc, du coup, là, j'ai lu les news. Eux aussi, ils sont contents, ils ont prévu des mises à jour. Donc oui, moi, je pense qu'il faudrait une sorte de nerf. Je sais pas, peut-être que dans vous avez des idées sur comment nerf correctement. Du coup, vous l'avez vu, ces petits largages tactiques. Je trouve que ça a un intérêt limité, tu vois, d'avoir un moment tous les mêmes armes et que c'est facile à retrouver. En plus, moi, sans mentir, il y a plein de fois où je suis allé au goulag, tu vois, un peu tard, et en finissant au goulag un peu tard, bah du coup, tu finis... Oh, il a racheté le type. Oh, c'est long, ça. Je trouve ça un peu naze, tu vois, qu'au bout d'un moment, chacun ait sa classe de multi, tu vois, c'est un peu claqué. Parce que du coup, ça fait que vu qu'il y en a une qui est particulièrement forte, ça définit une méta où tout le monde joue pareil, alors que dans les BR, avec le côté un peu random, ça fait que certains vont avoir des snipers, d'autres non, et tu peux tout à fait t'en sortir sans. Sinon, il pensait, j'ai vu, à ajouter un mode à 4 joueurs, 5 joueurs, et même un peut-être avec 9, voire 10 joueurs. À ce niveau-là, j'étais un peu sonné, hein. Putain, 9-10 joueurs, mon gars, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Bon, hashtag analyse, certes, hein, on est d'accord. Je dis pas quelque chose de super pertinent, mais... J'espère à un moment, ils vont rajouter du solo duo, tu vois, histoire de pouvoir, tu vois, à des moments, se la donner... Bon, Trump, quoi, tu vois. En homme sun tout. Est-ce que je vais prendre la M13? C'est quoi? Non, j'aime pas la Scarache, mais pour une fois, je vais la prendre. On va quelque part, les gars, peut-être? Peut-être que j'ai bien envie de prendre un drone. C'est quoi? Je vais prendre un drone. Et je prendrai un mar... Oh, il y en a un juste là. Oh, parfait. Bah, je vais pouvoir prendre un drone. Regardez, je vais prendre un drone, il y a un largage tactique qui arrive là. Ça va pouvoir me donner ma classe. Et je vais prendre un drone histoire de savoir où ils sont les types. Hop, regardez. Donc le largage tactique qui est venu par chat. Voilà, 50 mètres. Et là, on va prendre le super. Donc là, avec le drone, en plus, je sais que je suis safe. Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu cheaté ça. Et j'espère qu'à un moment, on n'aura pas du stack de drone à la fin. Mais hop là. Et voilà. Bonjour. Donc je suis avec ma petite classe, il n'y a personne autour. Bah, viens, on va avancer vers là. Et donc du coup, voilà, hop. Et là, vous avez l'arme fatale de ce jeu, à savoir un sniper que j'ai pris en plus en thermique, parce que ça aide pour la vision lointaine. Tu vois mieux apparemment de loin quand t'as un petit sniper thermique. Moi, la seule chose que je réclame, c'est que même si je sais que ça fait partie inhérente, parce que bon, ils ont bien fait des bâtiments, etc., faut aussi que ça serve, mais j'espère juste que ça va pas finir, tu vois, en full sniper X toi, quoi. Mais sinon, globalement, je m'amuse bien. J'ai pu aller à la salle ce matin, la salle privée d'un ami à moi. Ça fait maintenant, depuis début février, tu vois, que je cours. Oui, je cours, mesdames et messieurs, je cours. Certes, je vous avais parlé du marathon il y a longtemps, je vous ai pas donné d'update. Bah, j'ai rien branlé, mais j'ai, depuis un mois et demi à peu près, je me la donne. J'ai acheté des baskets de course, donc je cours un peu plus. Et je suis à la salle privée d'un ami à moi qui est coach. Donc, c'est une salle où on était que deux, ça, c'est bien. Alors, par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal, tu vois, c'est d'être safe à ce niveau-là. Allez, venez, on va là-bas. Allez, venez les gars, venez. Gros, on va pas rester dans des bâtiments au milieu de la zone là. Oh, leur gameplay à eux, ils puent la merde. Oh les gars, faut bouger un peu, hein. Et donc ça m'a fait plaisir, je fais v'là les séances jambes. Attention les gars, séance grosse quiz. Faut que je me trouve de la plaque parce que j'en ai qu'une. Après, si je trouve un truc d'achat, là, il y en a un pas très loin, je vais pouvoir acheter 5 plaques pour 1500, c'est ok. Hop là, allez. Ça me fait mes plaques, je suis bien. Contact. Hop là, à terre. Ah, les trucs nuls qu'ils ont pas encore corrigé, c'est que c'est celui qui tue le gars à terre qui a le kill. Et ça, c'est nul. Hop là, allez, toi prends ton petit coup encore. Oh, c'est nul, attends, je vais prendre ça. Hop là, j'ai touché une balle, hein. J'ai vu un type, regardez. Oh sa mère, il m'a démonté. Oh, viens m'aider, cousin, viens m'aider. Merci frérot, oh là là, te fais pas tuer non plus. Hein. Oh là 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 là, il y a des frappes sur nous, putain. Oh les bâtards, ils nous mettent la sauce avec des strips. Oh les enculés. Oh, on a fini leurs potes, ils sont pas contents, putain. Après, ils ont raison, ils vont pas tarder à arriver devant moi là. Ils vont être là en dessous.
Ok, ils sont là. Je vais me rapprocher de mes alliés, attention, je vais rentrer dans la maison. Allez! Oh non! Oh non! J'ai un pote sur moi! Venez, venez, venez! Vous êtes où les gars? Please, 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 non! Oh non, il va me finir! Tuez-le! Tuez-le! Tuez-le les gars! Non! Il a aussi fini à terre! Non! Il nous a 1v3! Mais vous êtes trop nuls! Putain! Moi je veux montrer la force de ma classe! Goulag, allez, goulag, 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 c'est pas fini. Vous connaissez ce qu'on dit, hein. Ceux qui perdent le goulag égale petite salope. J'ai déjà été une petite salope une première fois. Allez, pas deux fois, pas deux fois. Ici, on est des salopes, mais pas deux fois. Bon, on a fait 4 kills la première, enfin, on a fait 3 kills et mis 2 mecs à terre, c'est bon, t'as compris. Donc ça fait 5 kills, on va essayer de faire un petit peu mieux. On va essayer de trouver un largage tactique, là, y en a où? C'est vrai, si je trouve un petit largage tactique... aller un petit peu mieux, mais il y en a aucun. Là, je suis dans ce qu'on appelle la mucho sauce, les gars. Donc oui, non, pour en revenir, maintenant que je fais un petit peu de course et que je fais mes jambes, chose que je ne faisais strictement avant, jamais avant. Bah déjà, j'y ai pris goût. C'est plutôt cool de faire les jambes. Mais en plus de ça, à chaque fois que j'ai fait, j'arrête d'être un gros sac à merde qui a trop mal, et ça, vous voyez, c'est très satisfaisant. Bon, du coup, là, il faut que je trouve 3500 pour peut-être permettre le miracle. L'idéal pour trouver ce genre de sous, faudrait que je tue quelqu'un dans le dos ou un truc comme ça. Ok, attends, en fait, j'ai appris que quand il y avait le truc en rouge qui partait en l'air, c'est que quelqu'un avait fait spawn un de ses alliés. Oh, sa mère. Bon, il reste plus que 27 personnes, en plus, on arrive vers la fin. 6 kills au total si on compte le goulag. Comment trouver de l'argent dans des endroits qui ont déjà été loot? Ça va forcément venir de derrière, genre de là. Largage tactique en cours. Oh, il est pas si loin que ça. Ok, écoutez, on va grid pour le largage. Parce que en fait, si je prends le largage, je prends des armes bonnes. Et si je prends des armes bonnes, j'augmente mes chances de faire des kills. Il y a quelqu'un là-bas. Ok. Ok, ok. Ne faites pas ça chez vous. Mon shoot a été catastrophique. Oh là là, mon dieu, j'ai honte. J'ai honte. Là, monteur, faut que tu coupes ça. N'est-ce pas? C'est non. Je leur ai enlevé de l'armure, qui en soi n'est déjà pas complètement dégueu. On va aller se cacher. On va aller se cacher. Le largage est plus très loin. C'est même pas qu'il est plus très loin, c'est qu'il est littéralement juste là. Le truc, c'est qu'ils sont aussi là-bas. Et j'ai plus de balles. Ok, bon, traduction, on va se cacher vite fait. Ah, vous le voyez là-bas? Oh, ça fight. Oh, ça fight. Écoutez, on va profiter de la cohue. On va profiter de la cohue. Même si ça peut arriver à ma droite. Le kill, ça n'a pas suffi. En plus, regardez Trizy, c'est le mec qui nous avait déjà un V3 avant. Bon, dommage. Bon, et ben voilà, les potes, on a fini 7ème. C'était pour moi pour cette vidéo. J'espère malgré tout qu'elle vous a plu, même si on n'a pas fini exactement top 1 ou proche. Hein, c'est les aléas du BR. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.